Je vais prendre trois exemples. Quels partis politiques, quels dirigeants politiques sont en train de parler au nom de ces millions de Français qui se sentent expropriés de leur logement, parce qu'en raison de lois soi-disant écologiques absurdes, si vous n'isolez pas votre logement aux normes, c'est-à-dire s'il est qualifié de passoire thermique, vous n'avez plus le droit de le louer, et bientôt vous n'aurez plus le droit de le vendre. De, ni de l'assurer. Ni de l'assurer. Des millions de Français se sentent expulsés de chez eux. Même chose pour le droit de circuler avec. Alors, votre on, vivait voiture. Dans ces maisons, on vivait dans ces maisons depuis 5 siècles. Quoi. Exactement. Et Et par dit... ailleurs, c'est une destruction de patrimoine puisque vous avez une maison construite en préfabriqué depuis dix ans, elle, elle est étonnante, il n'y a aucun problème. En revanche, le bâti ancien, historique, quelquefois de grande qualité, euh, les cœurs de village, vont devenir inhabitables, il sera impossible de les louer, il sera impossible de les habiter. Donc, ils vont tomber en ruine. Ils vont tomber en ruine. On organise. La mise en ruine, on organise la destruction du bâti français ancien et de qualité. Et pourquoi deuxième chose, au nom des normes d'isolation, euh, zéro carbone, lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième idéologie de... Deuxième raison égale totalement hors sol. Vous savez bien qu'à partir de 2024. Votre vieille voiture qui fonctionne oui. au diesel ou en essence ne pourra plus rentrer dans les agglomérations de 150 000 habitants. Soyons concrets, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller à l'université, que vous ne pourrez plus aller à l'hôpital, dans certaines agglomérations. Je crois comme Toulon, vous ne pourrez plus aller à l'aéroport. On prive des millions de Français de leur droit, tout simplement, à la mobilité, de leur droit de se déplacer. C'est un gros progrès, vous savez, dans le Moyen-Âge, les serres étaient attachés à la glèbe. On, on y retourne. retrouve la même chose. <laughs> C'est-à-dire, vous avez une classe d'élite prédatrice qui, elle, se garde le droit de voyager partout, les fameux nowhere, et les gens de quelque part n'auront plus le droit de sortir, de vous leur avez leur... raison, euh, du fief qui leur sera alloué. Et puis, la troisième chose, c'est quand même l'escroquerie numérique et du digital, avec un totalitarisme qui s'avance et que personne ne veut voir venir. Quand je vois l'absence de débat à l'Union européenne qui est en train de ratifier la monnaie digitale de Banque centrale, ce qui veut dire que la Banque centrale connaîtra tous les paiements si des gouvernements ne se lèvent pas pour maintenir les paiements en espèces. Giorgia Meloni l'a fait courageusement en Italie. La Pologne est en train de dire qu'ils garderont des espèces. J'attends que l'Allemagne lève la voix. Et je me demande qui en France est en train d'élever la voix non, pour défendre voilà, les paiements en espèces, qui sont la seule garantie d'anonymat. Même chose pour la santé numérique. L'immense escroquerie de la santé numérique, c'est la mort de la médecine libérale. C'est le fait que bientôt vous allez décrire sur Internet vos symptômes et on vous enverra directement à un généraliste, un spécialiste, ou on vous enverra directement à Big Pharma qui vous fournit les traitements. Nous sommes en train de tuer ce qui était l'une des richesses de la France, qui était la médecine libérale. Le médecin de famille, seul, celle ou celui qui était capable, parce qu'il connaît votre famille, votre femme, vos enfants, vos antécédents, de vous dire Monsieur, ce que vous allez pas bien grave, je vais vous donner un petit traitement, mais vous inquiétez pas. Ah là, vous avez un problème, il faut immédiatement consulter. C'est le numérique qui va tuer tout ça. On est en train de dépersonnaliser, de déterritorialiser, de déshumaniser nos sociétés. Et